Ah, j'ai quand même attendu que tu récupères tes affaires. Ah bah moi j'ai démarré hein. Ah bah d'accord. Alors elle est où Ouais ma bah non, caisse? ça marche pas. Qu'est-ce que t'as fait de ma caisse? Ah, je l'ai pas touché. Ah. Tu sais pas te battre, je t'ai laissé gagner. Ah oui, bien sûr. Allez, vas-y, démarre Bon. l'épisode parce que moi ça enregistre. 3, 2. Et salut tout le monde, c'est El Broudi avec Slan. Comment vas-tu, Slan? Très bien, en pleine forme. Ouais, alors à ce qui paraît, hein, il a enregistré sa mort. Non, j'ai pas enregistré ma Je. mort. J'ai enregistré le moment où j'allais chercher ma caisse après un acte de traîtrise. Non, c'est lui, c'est toi qui as commencé à me taper et t'as perdu au combat de Jedi. Oui, mais Bon, t'es sur censé ces être belles pacifique. paroles. Non, c'est pas des belles paroles. Je boude. Voilà, je me casse, je vais me faire un café. Sur ces belles paroles, je lance la régulation de l'énergie spatiale. Ah bah, je reviens alors. Alors, allons voir ce que ça fait. Pousse-toi. Hey. Ok, donc il ne reste plus que le plan du fixing déjà pour commencer. Ouais, et on a déjà normalement la plupart des trucs à part le premier. Donc le moteur à distorsion balistique, c'est une des pièces du truc. D'accord, pas de souci. La cellule de singularité utilisée pour rompre l'espace et le temps nécessaire pour alimenter les portails. En fait, c'est des trucs de. C'est des tubes, les portails. Thankfully, the construction of project part number 12, the Possible, c'est pas ballistic warp trop. drive, Bah en cannot fait, be tu aided mets and un portail requires principal no quelque manual part, input from you, et après tu so peux I'd mettre des say we're portails satellites relatively partout. safe. Ouais, If you disagree about my d'accord. assessment Par of your contre, je ne sais pas ce qu'il capabilities, faut you are free to alimenter en attempt a cellules study of de either portal temporalité, or si c'est le portail warp principal ou technology. tous les portaux. After you're done Si with c'est tous les project portaux, ça va pas le assembly. faire. Bon, bah voilà, on est pas mal. L'encodage quantique, ça nous permettait quoi? En fait, c'était juste du blabla, hein. On est d'accord, il n'y avait aucun objet, aucun bâtiment à construire. À part l'encodeur quantique qui servait à faire les objets en question. 150, 280. Ok, on va faire un portail principal pour commencer. Allez, va travailler, toi. Eh oh. J'imagine que c'est là. Ah, c'est tout petit! Mais Mais de quoi trop. il parle? Le portail, il est tout petit! Je sais même pas où il est le portail. You have finally built Il a vient de le portal. poser. Perhaps now your progress Oui, non, won't mais be as où on le slow. fabrique? To ensure no further Mais ça y est, delays je l'ai construit, happen, I will t'inquiète. give you some tips. A functional portal is two-way and requires one main and one satellite portal, each only connecting to the other. Très bien. Establishing a portal connection will require input of Et singularity de la patience, reactors, pourquoi de la vast patience? amounts of power, and some patience. Alors là, je suis pas d'accord. Before you continue, you could still change the placement of Voilà, that one. sélectionner portail It connecté. seems suboptimal. Donc, moi je vais faire un portail satellite, juste ici, pour l'instant. Parfait. Et je veux connecter ce portail au portail. Très bien. Après, il faut du carburant. C'est les cellules de singularité, tu m'en fais? Non. Mais pourquoi? Oh, attends, il faut de la pâte nucléaire! Oh là 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 là! Bah voilà, t'as ta réponse pour laquelle j'en fais pas. Ah, la pâte nucléaire, j'en fais plein. Mais pas de façon définitive. Après, l'usine de pâte nucléaire que je viens de mettre en place, je peux la réduire et puis t'envoyer de la pâte nucléaire, c'est pas un souci. Non, non, on voit pas de nucléaire chez moi. Oh. C'est Déjà, déjà. je me fais irradier toutes les 2 minutes par tes trains qui passent. Donc. Le truc, c'est avec la poudre de cuivre. Et la poudre de cuivre, c'est tellement pénible à fabriquer qu'il faut fabriquer la pâte nucléaire là-bas. Donc, faut tout faire là-bas. Mettre de l'acier et du béton là-bas, c'est pas un souci. Par contre, le truc là que ça me demande au milieu, j'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Ce sont des cristaux de matière noire. Tu m'en fournis beaucoup ou pas?
Je fais pas des cristaux de matière noire, moi. Je fais de la matière noire. Eh ben, il faut que tu fasses des cristaux de matière noire. Je fais du résidu de matière noire et je fais des. Ah si, je fais des cristaux de matière noire Ok, tu que les as je mis dans le void? transforme. Non, parce que je les transforme. Tu les transformes. Ouais, je les transforme avec les oscillateurs, la tôle d'aluminium et les matières photoniques en oscillateurs de superposition. Et qu'est-ce qu'on en a à faire de ce truc? Qu'est-ce que tu veux au souci du Bah, saucillé? il y en avait besoin pour l'étape précédente là. Ah, tu veux au Et je sais sauce. pas si. Il faut arrêter d'au saucillé là. Alors, quand est-ce qu'elle revient, elle? Elle revient dans 5h23 minutes. Non, 5 minutes. Oui, bah c'est pareil, c'est ce que j'ai dit. Processeur neuroquantique, c'est ce dont on va avoir besoin pour la dernière étape. Bon, en tout cas, moi, je vais aller faire terminer la phase. Là. Ouais, Et moi, ben, il je. me faut aussi des cristaux, de la matière photonique, des trigons amphixites et des superordinateurs. Et ben, punaise, je suis pas rendu, moi. Bah, tu vas les faire à la main pour l'instant, dans un premier temps. Hein. De Oui. toute façon, toute la phase 5, on va la faire à la main, hein, très probablement, avec les Summer Sloop. Alors le problème, c'est que moi j'avais lancé ce qu'il fallait pour faire pile poil 1000 pattes nucléaires. Donc, toi tu m'envoies un train de cadres. Et c'est, je crois que c'est ces cadres-là justement qu'il faut que je mette pour faire la pâte nucléaire. Donc. Est-ce que t'as du cuivre près de là où t'es, toi? Sûrement. Il faudrait que je regarde ça. Parce que si t'as du cuivre, je pourrais fabriquer les cadres, les trucs de pâte nucléaire direct sur place. Puisqu'après, il faut les rajouter avec tes trucs. Donc, je pense que c'est pourtant bien là où t'es qu'il va falloir fabriquer ça. Ou alors, Bah, ou alors, je t'envoie la moi je poudre. t'envoie là. Mais non, parce qu'après, il faut fusionner ça avec ce que tu es en train de fabriquer. Alors, ça va pas le faire. Ah non, c'est du cristal temporel que ça demande, merde. M'étonne que Alors, ça marche pas. superordinateur et cristal temporel, c'est deux productions qu'il va falloir que je fasse à la main, quoi. Et donc ça, j'ai pas besoin. Hop. Alors les cristaux ici. Pourquoi il m'affiche tout? Pourquoi il m'affiche toutes les ressources et pas une seule? C'est quoi cette carte? C'est pas très sympa tout ça. Oui, il est revendiqué le minerai de cuivre. C'est bon, on a compris. Ça, c'est des geysers. Mais qu'est-ce qu'on a à faire, moi, de tes geysers? Là, j'ai un minerai de cuivre normal que t'as pas exploité juste à côté du fer, que t'as exploité qu'au quart d'ailleurs. Au tiers, c'était trois mes trucs de gisement de fer à côté de chez moi. Il y en avait quatre côtés les uns aux autres, t'en as exploité qu'un seul. Ouais, bah j'en avais pas forcément besoin de plus. Ça, c'est ce que tu prétends. Moi, je dis que t'as été dépassé. Te permets pas. Ça y est, maintenant les combats ça se passe bien, j'ai réussi à tuer des facochères avec ma mitraillette nucléaire. À tête chercheuse. Et une portée de 80 km. Un super ordinateur. J'ai pas envie de déplacer de la poudre. Mais je pourrais déplacer. Après tout, mon usine de poudre elle est quand même un tout petit peu minuscule. C'est genre 5 constructeurs. Bon, c'est 8 constructeurs.
La vérité, c'est que je pourrais déplacer mon cuivre ailleurs, faire la poudre à côté de toi. Faudrait que je t'amène du cuivre. Faudrait que je fasse une gare de cuivre ici, une gare de cuivre là où t'es. Mais j'ai un peu peur que ce soit pas nécessaire et qu'on ait besoin de beaucoup moins que ça. Ça tourne plus du tout là. Que j'ai vidé ma poudre en fait. J'avais pas prévu d'en consommer autant. Les réserves ont été vidées. Donc les 1000 vont pas se faire du tout. Sauf si je triche. Du coup, je vais aller tricher. C'est parti, on triche. Voilà, moi je commence à faire les processeurs. Il me manque juste la matière photonique qui doit être produite, je sais plus où. Qui doit être produite par là. Il y a ce tapis-là qui ne doit pas être dans la bonne taille. Ah non, ça c'est la matière noire. Bah, elle est où ma matière photonique? Tu mélanges tout. Ça doit être celle-là. Tu Matière devrais. photonique agitée. Je sais pas si. Voilà. Franchement, hein, tu fais ce que tu veux, mais je sais pas si c'est une bonne idée de mélanger ton histoire de matière photonique agitée avec de la matière noire. Ça m'a l'air un peu expérimental là, tout ce que tu fais. Mais non. Faut pas que je m'inquiète, c'est ça. Tout à fait. Alors, T'inquiète donc pas. Monsieur s'inquiétait quand je touchais au nucléaire, mais là, monsieur, lui, il touche à la matière noire, il n'y a pas de souci, il faut pas stresser. Tout est normal. Oui. Bah oui. Donc ça a dû doubler normalement. Allons-y. Après, doubler. Bah, doubler, ça devrait faire du 1200. Le problème, c'est est-ce que j'ai le bon apport derrière? C'est ça qui m'inquiète. Parce que là, je fais du 1500 et je sors sur un tapis de 1200. Donc, fatalement, ça passe. En théorie. À Alors, moins qu'il y en ait d'autres là-haut. Non, il n'y en a pas d'autres là-haut. On est d'accord que là, on est vide. On est vide. Donc, tout cela marchera parfaitement. Quand on consommera 750 lingots de cuivre par minute. bon, je t'envoie des processeurs neuroquantiques dans le void. Ouais, ben. Ça me rassure pas plus que ça. On envoie 7,5 par minute. Ben c'est pas de mal la veille que j'aurais mes 500. Alors 30, ça va pas, c'est pas du tout Ouais, bon. bah. C'est même pas dit que t'es les 7,5 parce que pour l'instant, il y a quand même deux trucs que je suis obligé de mettre à la main. Je suis censé avoir 750 par tapis. C'est de la saleté ce truc-là. J'ai peur d'avoir fait ça. Parce qu'il faut que tu les mettes à la main de quoi? Bah parce que c'est pas là où je produis que il me faut un train sinon. Un train de quoi? Alors il me faudra. Attends, je vais te dire ça. Le problème c'est que c'est deux trains. C'est des trains, deux trains qui viennent de deux endroits différents. Ben voyons, genre. Ouais. Il me faut un train qui me ramène des cristaux de. Des cristaux temporels. Bah ça, c'est pas moi qui les fabrique. Parce que toi, t'es où, Bah toi? non, mais il faut un train qui vienne du charbon pour ça. Et l'autre chose, c'est un train qui me ramènerait des super ordinateurs. Et le problème, c'est que les super ordinateurs, pour le moment, j'en produis pas assez. D'accord. Le train du super ordinateur, il est facile à faire partir. Il y a l'espace pour une gare. Le train des cristaux temporels, il n'est pas très compliqué à faire partir. J'ai quand même fait un accès gare tout proche du Caterium. Donc les deux départs, je peux te les préparer. Par contre, je ne sais pas si j'ai l'espace pour faire une arrivée. Donc je fais mon calcul sur le cuivre. Hein, et ensuite, je vais venir m'occuper de toi. Ah, il n'y a pas de minerai là. Oh oui, il n'y a pas d'urgence, hein. Pour le moment, je l'ai rempli à la main. C'est bien. Un bon bout, bref. Ça remplit tout à la Bon, main. je vais aller.
Et je vais aller préparer les plans Fixit MK3. J'ai normalement à peu 3, près tout ce qu'il faut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 10 fois 30 par minute, 300. 300 qui font un tapis, c'est ça? Non. 300 qui font un tapis, d'accord. Donc en théorie, pour passer à 750... Hop là. Parfait, ça marche. Ça ne sert à rien, évidemment, puisqu'il n'y a pas l'apport, mais dans la théorie, ça marche. El Broody is the boss, évidemment. Ok, donc on va les mettre tous comme s'ils recevaient du 750. Ensuite, on avisera. On va aller voir nos mines et voir ce qu'on peut leur demander de faire. Parce que ça, c'est un truc qui doit dater d'avant les cristaux. Pour moi, on est bon. Encore deux étages à faire. Mais après, on va aller voir les mines d'abord. Il faut que chaque mine m'envoie 1500. C'est tout à fait réaliste. J'ai donc ici 3 mines. C'est du MK quoi? C'est du MK2 sur un gisement de normal. Donc pour que ça m'envoie du 1200, c'est ripé. Hein. Donc je peux passer à 600. Ok, bon, allons-y. Donc, parce que c'était une question de taille de tapis. Donc on va passer à 600 en passant à MK3. Je peux, ça se submerge pas de toute façon. Donc c'est les mêmes tapis. Tiens, je vais aller regarder les recherches du MAM. Il nous manque la technologie extraterrestre pour laquelle il nous faut des cellules de singularité. Nécessite de la matière noire, des cubes fusionnés. Des plaques de fer et du béton. Bah oui. Après je vais poser un MAM et puis je vais voir si on a débloqué une recette alternative. Bah je peux aller regarder. Pas vraiment. On a aucun disque. Ah oui, c'est toi qui as les disques sur toi? Ouais. Ouais, il y a une recherche qui se lance. Mais c'est peut-être la recherche avec la recette unique qui nous manquait la dernière fois, que j'avais pas activée. Mmh. Donc il n'y a pas de preuve pour l'instant que tu aies une nouvelle recette. Ok, donc ici, je fournis pas autant que je l'espérais. Je fais 2 fois 600. Non, pourquoi tu me dis pas que tu es... Accélère toi. Bon bah il nous reste plus que le premier truc de l'étape pour le plan Fixit et on en a quand même déjà 15 sur les 100. Pas si mal. 600, on est parti pour la poudre. Parfait. Donc là, c'est les trois trucs. Ok, on est parti. D'accord, c'est tout upgradé ici. Je laisse le vert pour l'instant, ça me permet de savoir ce qui a été upgradé ou pas. Donc je fais du 600 par étage. Alors que je suis censé sortir de 1500. Mm-hmm. Donc... Ben déjà on peut supprimer un côté ou on peut récupérer quelques éclats de charge. Au final, si j'enlève tous les éclats de charge, ça marche parfaitement. Ça tournait qu'à moitié. En fait, c'était prévu pour tourner sans éclats de charge de façon optimale.
Voilà, je range ça là. Voilà, on va recommencer. Hop. Est-ce qu'il y a une recette alternative pour cette poudre? Ok. Donc là, normalement, on sort du 300, même si c'est des tapis MK4, ça devrait largement suffire. Par contre, on les réunit pas, et donc on part sur du 300 par truc. Très bien. Alors là, le problème, c'est que j'ai pas mon 600 carry parce que je suis pas upgradé jusqu'au bout. Tout devrait être Ah. en vert là. Ça doit aller en vert jusqu'au bout. On viendra voir. Bon, donc c'est bien des tapis de 300 qu'on va recevoir. Mettre des éclats de charge là-dedans, ça n'a pas de sens, c'est ça? C'est ça. Voilà, ici on met à la main. Donc Ici du c'est coup, bon. avec les summer soup, je fais bien du 600. Mettre un super tapis, ça sert à rien. Je peux l'enlever. Et donc toi, tu voulais que je te mette de côté des cristaux. Enfin, pas des cristaux, mais des si, cristaux de matière noire. Je veux des cellules de temporalité, comme c'est exactement le truc que tu es en train d'essayer de faire, si j'ai bien compris. Non? Bah là, j'étais pas en train. Non, j'étais pas encore en train d'essayer de les faire là. D'accord, bah les cristaux de matière noire, alors ouais. Mais je peux aller regarder ce dont j'ai besoin pour les faire. Hein. Non, là, j'étais en train de faire les processeurs neuroquantiques. Ouais, bah. T'en fais des saletés. Donc Pourrais aussi faire 600. des cristaux de quartz, matière photonique. On sait faire les éclats de charge maintenant. Ouais, mais ça, punaise, ça coûte cher, hein. Après, les éclats de charge, j'en ai une certaine quantité Et de. pour les. Tu me disais, on n'en a pas besoin des oscillateurs de superposition. Si, tu en as besoin pour faire les serveurs d'expansion d'IA qui sont les éléments de la. Les troisième éléments de la phase 5. D'accord. Donc je vais continuer à te les conserver. Trois, Alors, ça c'est suffit. pas là-dedans. Un, La sphère deux, des trois, quatre. singularités. On va pouvoir supprimer ceci. Toute façon, il n'y avait pas de poudre. C'est pas là-dedans non plus, c'est pas non plus dans le convertisseur, donc ça doit être l'accélérateur de particules, j'imagine. J'ai 20 par minute ou cristal de matière noire 30 par minute. Ouh. Ouh. Ah, mais attends, il y a un moyen de faire ça. Avec des résidus de matière noire, je peux créer 20 cristaux de matière noire par minute avec 200 de résidus. Et j'ai une recette. Ça, c'est la recette alternative que j'utilise. Et je peux aussi, avec des diamants et des résidus de matière noire, créer 30 de cristal de matière noire. Donc en fait, si je mettais ça au charbon, là où j'ai mes diamants, je pourrais créer beaucoup de cristal de matière noire. Ou alors, il y a plusieurs possibilités. Parce que moi, je vois que juste à côté de toi, là, il y a du charbon. Deux impurs. Est-ce que tu as besoin de beaucoup de charbon? Oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça passe pas.
Les diamants, Pour y a... faire le diamant avec du charbon, il me faut 600 de charbon pour faire 30 diamants. Et tu veux combien de diamants par minute? Parce que 600 de charbon, je peux les sortir sur les deux impurs, c'est pas un souci. Alors, pour faire un cristal. Attends. Alors, avec la recette de base, c'est 30 de diamants plus 150 de matière noire, de résidus de matière noire, donne 30 de cristal de matière noire. Donc, ça fait beaucoup. Alors, cristal de matière noire. Il faut 600 de charbon pour faire 30 diamants qui vont donner 30 cristaux de matière noire avec 150 en plus 150 résidus de matière noire. Et les 150 résidus, tu les as déjà ou t'es loin au-dessus ou t'es loin en dessous? Je les ai déjà, je produis plus que ça hein, par minute de résidus. Hein. Combien? Là, j'en produis 125 et là, j'en produis. Non, c'est pas là que je les produis. Alors attends. 125 et ici 187,5. D'accord. Donc, ça fait environ 300. Donc, il te faudrait 30... Bah, je pourrais avec 1200 de charbon, je pourrais te produire 60 cristaux de matière noire. D'accord. Eh ben, est-ce que tu as du cristal en trop? Parce qu'il y a la recette des diamants roses, là, des recettes alternatives qui utilisent beaucoup de quartz, hein, et beaucoup moins de charbon, 3 fois moins de charbon. On a aussi les diamants turbo, donc on ramène le turbo carburant qu'on n'utilise pas mais qu'on fabrique en bas, juste à côté. Et il y a aussi les diamants laiteux au calcaire. Mais là, on serait un peu limite avec cette recette. La privilégiée, ça serait de Pas. ramener Non. 600 de quartz. Non, non, le calcaire, on en fait plein qu'on va brûler là avec Je comprends, mais avec l'eau de. elle est moins bonne. En nombre de diamants faits et on n'aurait pas assez pour faire 60 avec le charbon que tu as à côté de toi. Donc moi ce que Elle je est te moins propose. bonne en diamant, mais consomme moins de charbon, ce qui fait Oui, que, mais il faudrait. avec la même quantité de charbon, t'en fais plus. Oui, mais pas assez. T'en fais pas 2 fois plus. Or, il faudrait 2 fois plus. Donc moi je te propose la recette au quartz. Parce que le quartz, tu en as même une mine que t'as pas tirée. Et je suis sûr que sur l'autre, de toute façon, tu prends pas tout. Ah, mais alors c'est pas dans l'accélérateur de particules la recette au quartz. Donc moi ce que je te propose, c'est d'abord ton tapis de quartz, tu vas le renforcer là où tu as ton quartz. Tu prends la deuxième mine, tu mets sur le tapis, tu renforces ton tapis si nécessaire. Et moi je vais aller chercher le charbon qui est sur ta droite. Et on va Alors ramener. attends, je vais déjà aller voir combien je produis avec mes mines de quartz. Il me faudrait de mémoire. Alors déjà je vais faire le MAM là. Excuse-moi. Alors, l'analyse est finie et on n'a qu'une seule recette. C'est celle-ci. Piège à matière noire alternative. C'est justement une recette pour faire les trucs qu'on est en train d'essayer de faire. Alors, éventuellement, je vais te dire un coup d'œil. C'est pour faire des cristaux de matière noire. Directement et uniquement sans diamant avec des résidus de matière noire. Non, Dans l'accélérateur. avec des cristaux temporels. T'as une nouvelle recette avec les cristaux temporels. Ouais. Ça en fait deux Ah fois oui, plus pour en utilisant ça. cristaux. Quoiqu'un cristal temporel, c'est deux diamants, donc je vois pas trop ce que ça change. Le nombre de matières noires par rapport à la quantité de. Parce que c'est toujours 150 de résidus de. Ah d'accord, mais alors du coup, il nous faudrait beaucoup plus de diamants. Bah, Du coup, 30... Ouais, les diamants, comment t'en... comme c'est. Ou alors, ah mais non, mais je sais la solution. Il nous faut la même quantité de diamants, et ça se fait dans un convertisseur, et on met des summer slopes dans ton convertisseur. Et ça passe. Bon, attends. Je continue à aller regarder le cristal. J'allais voir combien j'en produis. Bon, j'ai une deuxième mine à côté. Oui, c'est vrai. Après, les summer soup dans le convertisseur, ça va piquer un peu sur l'énergie, mais l'énergie, on a ce qu'il faut. Donc pour moi, on fait ça. On va faire les cristaux
Alors moi je vais. Là c'est bon, j'ai mon tapis qui est plein, donc je vois que ça tourne, c'est super. Alors, les cristaux, là, j'ai un tapis avec 1200. Donc, il fait pas 1200 puisque j'avais pas le tapis MK6. Ok. Donc, déjà, je peux ramener 1200. Je n'ai même pas Donc, forcément besoin de la deuxième mine. bah voilà, t'as pas besoin de la deuxième mine. De toute Voir. façon, tu peux pas mettre la deuxième mine sur un tapis de 1200. Oui. Donc tu restes comme ça. Ce qu'il faudrait que tu ailles regarder derrière, c'est combien t'en consommes. Bah, c'est ce que je vais faire, mais en même temps, j'upgrade mon tapis. Ouais, t'upgrades ton tapis, tu regardes derrière combien t'en consommes. Et puis moi je vais aller tirer le charbon et puis on va se réunir. Puis on va faire des bébés. Des Eh oh, bébés. calme-toi un Des peu. bébés. Des bébés cristaux. Il précise. J'ai pas eu le temps de finir Aïe! ma phrase. C'est qui m'a tapé? C'est moi, en traite, tu m'as pas vu. Je suis parti, je suis déjà loin sur la map. C'est pas vrai que t'as pas Ah non, fait. il y a une araignée. Oui, c'est moi qui l'ai envoyé. T'as même pas fait exploser les trucs de gaz qu'il y a juste à côté, là, sous ta truc. Pour un mec qui aime Si. bien jouer avec les. Ah, ou alors je vois du gaz là où il n'y en a pas, c'est ça? Je crois que c'est un reste, ouais, qui a. Non, non, tu les as pas fait exploser. Il y a même ton tapis de cristal qui passe là, ça te dérange même pas. Honteux. Ah ouais, en plus ton tapis de cristal, il part vers le. Il est plus là. Bah, de quoi mon tapis de cristal? Il passait dans le gaz. Mais ton tapis de cristal, en fait, il part clairement vers là où on. Attends, non, ça c'est le ME, d'accord. Ok, non, mais je confonds tout là. C'est quoi ce truc tout Il moche que t'as fait confond, sur le tu. coteau? Oh mon Dieu. C'est affreux. Oh, c'est joli ça, c'est trop joli. Je ferais mieux de me préparer d'abord à l'atterrissage, qui va piquer. Et ensuite, à me battre. Parce qu'il y a toujours des sales bêtes partout. Et ensuite, il va falloir que je trouve le charbon qui est ici. Où qu'il est, le charbon, il est pas du tout là. Là, je suis au calcaire. Ok. Charbon l'hiver là-bas. J'espère qu'il est pas là-haut. Pas te le chercher. J'espère qu'il est pas là-bas non plus. C'est le bordel là, ton coin. Hey, je t'ai pas demandé de venir chez moi. Si? En fait, si. T'as dit que tu t'en sortais pas, que t'étais perdu et que t'avais besoin de l'aide d'un expert. Très bien mon coin. Ah, il a un peu avec des pics, des trous, des caves, des méchants partout. Excuse-moi, mais c'est pourri. Donc c'est vers là. Il est là le charbon. Alors, mon cristal, ici j'en consomme. J'en consomme combien? 22,5. Non, 37,5 x 2. Waouh, 75 sur les 1200. 75. Ah là, oui, non, mais c'est qu'un des trucs qui consomme. Après, oups, là. Après, ici. J'en consomme 93,75 fois 1, 2. Ça, c'est pas la même chose. Donc 75 plus 93,75 fois 2, donc 187,5. Voilà, donc 75, 187,5. J'ai pas écouté, hein. Ensuite, Si t'attendais de moi que je valide, désolé, j'ai oublié. 45, donc 75 plus 45, 80, 120 plus 187,5, 307,5. 307,5, oups, j'ai oublié d'en compter là, voilà. Plus ces deux-là, donc 45, 307,
152,5. Et est-ce que j'en consomme ailleurs? Il semblait cool. Ah bah non, c'est tout. Ok. demi, on est large avec un tapis à 1200. Oui, il nous reste largement ce qu'il faut. Faut que tu me dises où doit arriver le charbon, parce que là, je suis en train de te tirer le charbon. Je sais pas, moi, j'ai pas encore réfléchi à l'endroit. Hein. Bah, j'aurais tendance à te dire d'accord, mais faut quand même me le dire. Alors, Alors, le tapis de charbon arrive sur le tapis au de niveau de la ME. gare. Sur le tapis de ME. Ouais, mais il faut arriver plus proche de la gare parce que c'est le seul endroit où il me reste de la place dans ma plateforme. Bah, tu peux l'agrandir ta plateforme. Mais en tout cas, le tapis de charbon, il arrive sur le tapis de ME. Ok. Donc t'es pas encore tout à fait là. Non, non. Déjà, j'ai deux tapis de ME. Eh ben, Ben, sur je vais l'un des deux. mettre. Non, c'est pas le convoyeur 6, c'est le convoyeur 5. Enfin, quoique, c'est combien que tu me ramènes de charbon? 600. Donc, c'est le convoyeur 5. Voilà, je t'ai mis un convoyeur vertical. Merci. C'est moche. C'est bien du beau d'œuf, ça. Passer à travers les... La map avec tes convoyeurs. Oui, bah écoute, on fait ce qu'on peut. Hein. Les convoyeurs superposés, tu connais pas. Donc du coup, je fais de la merde et puis on pourra dire que c'est toi qui l'as fait, personne ne saura. Alors du coup, ce charbon, on le transforme en diamant avec un accélérateur de particules, c'est ça, hein? Je crois pas, non, je crois que c'est le convertisseur. Vérifie la recette. C'est le diamant rose qu'on va faire. Diamant rose, ok. Avec le cristal, ouais. Ce qui nous fait 300 de charbon, nous donne 37,5 de diamant. Pas mal, hein? Donc tu peux mettre deux éclats. J'ai mis les SS avec les éclats que je comptais. Ah bah alors il t'en faut deux. Sa propre. Alors, logistique, hop. Faut pas des sauvages. T'as déjà tout le charbon qui arrive là. Ah, il te faut les ME. Ah oui, il te faut ça aussi. Bah oui. Ah bah oui, t'en as pas besoin de deux. Un seul répartiteur suffira. Mais si je veux mettre des répartiteurs. Je Oh, sais, mais. mais moi je l'ai fait comme ça. Alors si tu fais pas pareil, ça va être moche. Oui, bah c'est moche ce que t'as fait. D'accord. Bon, écoute, je vais faire comme toi là. Blague. Je te Voilà. jure.
Donc, ça nous fait des diamants roses. Avec les diamants roses, faut que je fasse, je sais plus si dans lequel c'est. C'est dans un autre convertisseur. Alors. Dans l'autre convertisseur, oui, c'était quoi ce qu'il fallait que je fasse avec déjà? Je me souviens plus pourquoi on fait ça. Les trucs qui les doublent là, les oscillateurs. Non, c'est pas des oscillateurs, c'est. Bah attends, je vais faire N. C'est des cristaux temporaires, peut-être temporels? Non, c'est quoi? Ah oui, cristal temporel, oui, avec des diamants. Il en faut deux, c'est ça? Le problème, c'est qu'il marque diamant et pas diamant rose. Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse utiliser. Mais si, c'est la recette qui s'appelle diamant rose, ça fait des diamants. D'accord. Hop là, je relis. Je le relis à l'électricité. Voilà. Donc là, on refait plus de cristal temporel. Ok. Fou, ça. On n'en fait que 15, donc il va en falloir un peu plus, ouais. Alors des cristaux temporaires, c'est là que tu mets ton semence loop. Par contre, il t'en faut deux. Ah bah ça en fait que 15. On va pas pouvoir semence looper alors. Je peux en semer souper qu'un seul. 37,5 de diamants va nous permettre de faire 15, voilà. Ce qui fait qu'avec 2, on va pouvoir faire Ah, 30. c'est que deux. C'est que deux, c'est génial. Je peux semer souper. Ça y est, t'as tes 60. Oh, Ok. excellent. Ça prend deux fois moins de summer soup que les. Que les. Comment ça s'appelle? Que les accélérateurs de particules. Donc là, c'est super rentable pour nous. Donc, il nous manque juste l'énergie. Et t'as tes diamants. Voilà, c'est Et ici. raccordé. Donc, j'ai mes diamants. Ok. T'as tes C'est-à-dire, j'ai mes diamants. cristaux temporels. Ouais, alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un surplus là au milieu entre les deux. De façon à pouvoir récupérer des diamants et les mettre dans le void. Et les cristaux temporels, on voulait les prendre. On voulait les faire pour les sphères de singularité, mais elles se fabriquent où ces sphères, hein? Alors, logistique, ici, répartiteur intelligent. Ici, un dumper entre les deux. Ça, c'est pas normal, c'était censé être aligné. Il y a un souci, pourquoi ça ne fait pas le. Ça a chargé le charbon, mais pas le quartz. Ouais, je. C'est du cristal du quartz, pas du quartz classique. Ah! C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais me Donc, faire une petite usine de production plus haut. faut travailler en amont alors. Ok, sortie gauche, le surplus. Sortie droite, le surplus. Ok. Et là maintenant. Vais faire un petit coffre de diamants. Un petit void. Production, organisation. Conteneur. Le diamant, il est fabriqué ici. Hop. Voilà, je vais donc en faire 187,5 par minute du cristal de quartz. Il t'en Il m'en faut faut combien? 225. D'accord, donc il faut que j'en fasse un troisième. Ouais. Ah. J'espère que j'ai coupé le son au bon moment pour pouvoir éternuer. Juste à temps, c'était parfait.
peux le faire. Pas de soucis, je vais te mettre là. Voilà, donc bah ici un répartiteur. Parfait. Donc là, c'est la même chose. 30 par minute, là, clairement, on va les grouper. Donc là, j'ai un répartiteur. Non, j'ai un groupeur suivi d'un répartiteur intelligent. Et là, je vais. Hop. J'ai raté mon coup là, je crois. Et ben voilà. Il reste plus qu'à dire ici où est le surplus, où est le truc. Le surplus, il est sortie centrale, je crois. Et tout le reste. Tout à gauche. Voilà. Parfait pour moi. Bah pour moi aussi, ça on nous envoie de la du cristal. Et ben on peut passer à la suite, mais ça sera dans le prochain épisode. Bah ouais. C'est vrai qu'il est il est déjà tard. Donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à aller mettre des pouces bleus, des commentaires, partager la vidéo. Tout ça, ça aide au référencement des chaînes. N'hésitez pas à aller voir la vue de Slan si vous avez commencé par la mienne ou la mienne si vous avez commencé par celle de Slan. Et puis bah nous, on se retrouve très bientôt. Allez, bye bye. À plus tout le monde! Ciao Slan!